C'est pas très courant, non. Je suis pas le PDG, je suis le responsable de chantier. Et oui, on travaille sur pas mal d'édifices comme ceci et beaucoup de confortements de falaises. Et ici, oui, comme vous l'a dit Monsieur Douane, effectivement, c'est un site où la sécurisation est un petit peu. Il faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui passent en dessous, donc le travail se complique un petit peu. Après, le geste opératoire en lui-même, il n'est pas très très difficile à mon sens, mais effectivement, il y a des problèmes d'amarrage pour y accéder. Et puis ensuite, effectivement, tenir compte de toutes les personnes qui nous passent dessous toute la journée pour des raisons évidentes de sécurité. Quoi. Vous venez souvent dans les Pyrénées ? Oui, j'y vis. Enfin, je vis à côté de Tarbes et je travaille un peu plus souvent dans l'est des Pyrénées. L'Hérault, l'Aude, l'Ariège, etc. Mais on a de nombreux chantiers aussi dans le 65. On a eu des chantiers à Gavarnie dernièrement, de nombreux chantiers. Oui. On a peut-être 80% de notre activité en confortement de falaise. Et ensuite en industriel, en confiné, en choses un petit peu différentes.